Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte. Donc un jeu d'arcade d'Atom... Enfin, version... ouais, je sais pas comment dire. Donc le nom c'est Dolphin Blue. Ça fait un peu bizarre, ça me faisait beaucoup penser à un jeu de chez Sega. Style Echo de Dolphin, enfin Echo de Dolphin, enfin en anglais donc Echo le Dauphin. En fait, d'après ce que j'ai pu regarder sur internet, ce n'est pas du tout ça, ça ne ressemble pas du tout à un truc de dauphin, c'est plus un style Metal Slug, voilà, donc Dolphin Blue, très portrait Metal Slug, vous allez voir ça tout de suite. Allez, on met la petite pièce, et on va essayer de vous emmener le plus loin possible pour vous faire découvrir donc Dolphin Blue avec un crédit. Allez, c'est parti! Oh mince. Ah si, il y a quand même un rapport avec les dauphins quand même. Ça ressemble vraiment vraiment énormément à Metal Slug. Donc quand même, cela vous dit, ça va même jusqu'au... J'ai l'impression que ça va même jusqu'aux limites, au bruitage. Ah! Je pensais que je l'avais tué, mais... A priori non. Alors, des fois, c'est un petit peu brouillon. Je trouve. Utiliser le dauphin comme arme. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça aurait peut-être mérité, comment dire, de rajouter un crédit pour essayer d'aller plus loin. Mais comme je dis, je fais une vidéo découverte avec un seul crédit.
Donc n'oubliez pas, laissez-moi dans l'espace commentaire si ça vous botte que je fasse des vidéos avec des crédits illimités en gros, pour arriver à la fin du jeu, et pour vous montrer la fin du jeu. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, et surtout, bah écoutez, partagez. C'est comme ça que la chaîne vivra. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut !